Shalom la famille. Shalom la famille. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Nous venons apporter cette vidéo une précision très importante et officielle. La montagne de la prière ministrise à Paris n'est plus à Villeneuve-Saint-Georges parce que le quartier devrait être rasé au sol. La seule raison que nous quittons cette salle, indépendamment de toutes les difficultés qu'il y avait dans la salle, comme tous les montagnards, vous savez, le problème de toit, il y avait l'eau qui entrait dans la salle, mais en tout cas, on était déjà en train de chercher une autre salle, mais la mairie avait déjà commencé à raser toutes les maisons autour de nous. Donc, les propriétaires étaient le dernier récalcitrant. Et à la fin, ils ont trouvé le moyen de l'obliger de libérer la salle. Donc, nous sommes des victimes de cela. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Nous sommes sereins. Le ministère est toujours debout. Alors, cette vidéo, c'est pour vous dire aussi que c'est dans le moment difficile qu'on reconnaît le vrai ami. Une famille reste soudée. Nous nous adressons vraiment à toute la grande famille des montagnards et des montagnardes à travers le monde. Toute personne qui sait que toutes ces années, Dieu t'a béni, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné quelque chose, Dieu t'a donné une réponse, t'a restauré, en tout cas à travers de ces ministères, c'est à vous que nous nous adressons d'abord, mais aussi à toutes les personnes peut-être qui ne sont pas de la montagne de la prière, mais qui sont amis de la montagne de la prière. Nous avons besoin de vous parce que le moment est venu de manifester encore plus votre amour envers nous. Nous voulons vous dire tout simplement que nous avons besoin de votre prière. Il faut prier pour nous, nous soutenir, parce que ce grand ministère n'a pas encore trouvé, n'est-ce pas, une salle ou un local à lui tout seul. Alors nous avons besoin pour le moment de 40 000 euros. 40 000 euros, c'est vraiment juste pour la caution. Voilà, pour la caution de la salle, parce que le salle à Paris coûte très cher. Et souvent, c'est 6 mois à une année de garantie. Alors, par rapport à la grandeur de la salle que nous louons, à peu près c'est 5 000, 4 800, 5 500, 6 000 euros par mois. Donc, faites le calcul, 6 mois ou une année, c'est énormément d'argent. Que Dieu vous bénisse, en tout cas, si vous donnez quelque chose dans ces ministères, vous semez sur la bonne terre, vous semez à la bonne terre. Que Dieu vous bénisse parce que le Dieu de Corneille se souviendra toujours de votre offrande. Amen. Que Dieu vous mette à cœur ce que vous voulez apporter dans les ministères. Tout ce que moi je sais, la Bible déclare que Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Si les hommes seront infidèles, Dieu restera fidèle. En tout cas, nous sommes à la recherche d'une autre salle, mais en attendant, nous allons trouver une salle, un endroit dans un hôtel où nous allons vous communiquer, peut-être même d'ici samedi pour que dimanche, nous soyons ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je laisse un mot à maman, si maman peut s'exprimer un mot. J'aimerais que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Vraiment, vous qui aimez la montagne de la prière, vous qui êtes bénis à travers ce ministère, nous attendons votre soutien, votre aide pour que ce ministère continue à bénir, à restaurer encore beaucoup de familles, beaucoup d'âmes dans le monde entier. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse déjà d'avance pour votre soutien au nom de Jésus. La montagne de la prière a besoin de vous. Levez-vous. Avec Jésus, c'est toujours possible. Dieu vous bénisse. Thank you.
Shalom la grande famille. Shalom bien-aimé. Je suis la sœur Betty. Moi c'est le frère Franz Victor. Nous sommes les responsables du groupe social. Notre mission, voilà, consiste à recueillir des informations sur les besoins de chaque personne qui s'adresse à nous pour recevoir de l'aide. Comme nous le répète bien souvent notre bien-aimé le prophète Ponzu, on ne peut pas rester insensible à la détresse des frères qui sont autour de nous. En effet, dans 1 Jean 3, verset 17, la parole de Dieu nous dit « Si quelqu'un qui a des biens et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-on dire que l'amour de Dieu est en lui ?» En effet, voilà les œuvres que nous avons déjà faites au sein du groupe social. Nous avons accueilli un frère qui était à la rue. Nous lui avons donné le droit, la domiciliation dans l'église. Par la suite, notre bien-aimé le prophète Ponzo, il a pris à charge notre frère par les moyens personnels en lui donnant de quoi manger, le vêtir et s'occuper de lui. Nous avons accompagné ce frère auprès des assistantes sociales afin d'obtenir une domiciliation. Par la suite, il a obtenu le RSA pour subvenir à ses besoins et se réinsérer socialement. Nous avons accompagné aussi un couple qui était en situation aussi pas vraiment avec les documents qu'il faut. Bon, ils avaient leur visa, mais pour séjourner en France métropolitaine, on sait qu'il faut un titre de séjour. Nous avons accompagné, orienté aussi via la santé sociale pour pouvoir obtenir des aides financières auprès de la préfecture pour obtenir le titre de séjour qui est en cours. Nous les avons aussi accompagnés dans la réécriture de leur CV, de lettre de motivation pour pouvoir obtenir un logement et un travail. Nous accompagnons un frère que vous avez déjà entendu notre prophète parler régulièrement de lui. Lui, à la suite de plusieurs AVC, ce frère, ses documents, on va dire plutôt son titre de séjour, n'a pas été renouvelé en temps et en heure, ce que nous avons fait pour lui. Au jour d'aujourd'hui, suite à tout COVID, les documents ont pris du retard, mais nous avons vu auprès de la préfecture, ça ne serait tardé, le document. Ce qui a fait que tous ses finances ont été gelées. Alors nous l'avons accompagné auprès de l'assistance sociale du département afin d'obtenir des aides alimentaires, vestimentaires. Nous l'avons accompagné aussi auprès des foyers comme Emmaüs, le secours catholique, le secours populaire, pour pouvoir obtenir toutes ces aides. Et au jour d'aujourd'hui, notre frère, on va dire, il est à la charge de l'église. À l'heure actuelle, toutes les aides que reçoit le groupe social proviennent des ressources personnelles du prophète Ponzu. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, à votre bon cœur, à votre générosité, afin de nous aider, mais afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, nous avons besoin de vous. Shalom, shalom la grande famille de la montagne de la prière, shalom les amis de la montagne de la prière, shalom peuple de Dieu partout où vous êtes dans le monde entier, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore dans la joie d'être là avec vous pour partager ces moments ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, nous vous donnons alléluia, la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Et si vous êtes là pour la première fois, nous vous disons, soyez le bienvenu, soyez la bienvenue dans cette grande famille de la montagne de la prière. Nous sommes dans la joie de vous accueillir parmi le nôtre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement, abondamment. Commencez déjà à partager, à liker la vidéo. Vous qui êtes déjà connectés avec nous sur votre chaîne Samuel Panzu TV à la montagne de la prière pour la restauration des familles, alléluia, des vies. Combien de merveilles le Seigneur, il opère, alléluia, à travers ce ministère, dans des familles, dans des vies. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits, alléluia. Et il fera encore, il continuera à faire encore pour nous. Parce que la Bible dit, si nous croyons, nous verrons sa gloire. Alors continue à croire, tu verras encore la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu, crois et tu verras cette gloire se matérialiser, se réaliser dans ta vie et celle de ta famille. Oh, gloire à Dieu! Nous sommes encore bien-aimés dans le Seigneur, dans la joie d'être là pour un moment, un moment
un instant dans la présence de notre Dieu pour que nous puissions partager ensemble avec vous la parole du Seigneur. Alors ce soir, nous sommes là, les Seigneurs bien-aimés, pendant que j'ai préparé. Alors, il y a cette prière qui est montée dans mon cœur, bien-aimé dans le Seigneur, que toutes les forteresses de ma vie soient renversées. Donc, sur le renversement des forteresses, ce soir, ce matin, ce midi, je ne sais pas quelle heure, tu es en train de suivre ces lives. Donc, nous voulons renverser les forteresses. Alléluia. Donc, les forteresses là, qui sont là dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous voulons les déloger dans le nom de Jésus-Christ pour que nous puissions voir la gloire, la main de Dieu agir, opérer dans notre vie. Alors, continuez à partager, à liker si vous n'avez pas encore partagé, si vous n'avez pas encore liké au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais dire à quelqu'un encore ce soir, Jésus t'aime. Jésus t'aime, Jésus m'aime. Peu importe la situation laquelle tu es en train de passer, tu es en train, bien-aimé dans le Seigneur, d'à traverser en ce moment, je vais tout simplement te rassurer de la part du Seigneur que Jésus t'aime. Et son amour te suffit. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il nous a aimés les premiers. Il t'a aimé avant même que ta mère t'aime, avant que ton père t'aime. Il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ qui t'a aimé, avant que bien-aimé, les amis puissent t'aimer, les gens puissent t'aimer, il y a quelqu'un qui t'a aimé les premiers. Alors bien-aimé, quand il y a des gens qui t'haïssent, bien-aimé dans le Seigneur, dis je m'en fous parce qu'il y a quelqu'un qui m'aime plus que vous. Il ne t'aime pas parce qu'il a un intérêt. Non, il t'aime tout simplement parce qu'il t'a créé selon son image, parce qu'il t'a créé selon sa ressemblance. Il t'aime parce que tu es le reflet, alléluia, de sa gloire, de sa puissance, de sa bonté. Voilà pourquoi le Seigneur t'aime, bien-aimé. Alors, je te les rassure encore ce soir. Peu importe la situation que tu es en train de passer, tu dans la situation de maladie, quelle situation, bien-aimé, dans le Seigneur, chômage, stérilité, bien-aimé, je ne sais pas quoi, manque de papier, bien-aimé, mari de nuit, femme de nuit, Jésus t'aime. Puisque Jésus t'aime, il te délivrera. Puisque Jésus t'aime, il te libérera. Puisque Jésus t'aime, il viendra à ton secours et tu témoigneras sa gloire. Tu témoigneras, bien-aimé, dans le Seigneur, sa puissance dans ta vie. Alors, nous allons prier avant de commencer notre programme. Je vais t'inviter de s'incliner, alléluia, dans la présence de Dieu, ensemble avec moi, pour que nous puissions recommander ces moments, ces instants, dans la présence de notre Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous venons devant ta face, devant ton trône, devant ta présence, ta majesté, Seigneur Dieu de gloire, nous soumettre encore à toi, Seigneur Dieu de gloire, et recommander ces moments, ces instants, entre tes saintes mains. Tu as dit, Seigneur de gloire, que sans toi nous ne pouvons rien faire. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, sous chaque domaine de notre vie, Papa. Yahweh Seigneur, mon Dieu, car sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne pouvons rien. Où irons-nous encore, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie, c'est toi qui as les paroles qui guérit, qui délivre, qui sauve, Seigneur, qui restaure, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui as les paroles de la victoire, Seigneur, sous le combat, Seigneur mon Dieu, Papa, lesquels nous sommes à confronter. Seigneur, viens bénir encore ce moment, ces instants dans ta présence, Père éternel, mon Dieu. Tu as dit, approchez-vous de moi, et moi, votre Dieu, je m'approcherai de vous. Seigneur, nous nous approchons de toi. Encore, Seigneur, ce soir, Yahweh, pour les autres, ce matin, pour les autres, ce midi, pour les autres. Oh, Seigneur Dieu, de ton trône éternel, nous approchons avec assurance éternelle, Dieu des armées. Papa, fais-nous encore du bien. Fais du bien à nos maisons pour la gloire de ton nom. Bénis tous ceux qui sont connectés et ceux qui vont encore se connecter. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur, que je puisse disparaître et que toi, tu puisses apparaître
apparaître, pour que ton peuple soit encore, Yahweh, béni, fortifié, encouragé ce soir, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Tape-moi déjà 5 fois, bien-aimé dans le Seigneur. Renverser, renverser, renverser. Nous voulons renverser les forteresses, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est déjà quoi les forteresses, bien-aimés? Les forteresses sont, bien-aimés, dans le Seigneur, l'esprit des territoires. Les forteresses sont l'esprit des territoires. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne te combattent pas parce qu'ils sont là. Ils sont là, bien-aimés dans le Seigneur. Ces esprits des territoires, ils sont là pour t'empêcher, bien-aimé dans le Seigneur, de vivre la gloire de Dieu. Ils sont là pour t'empêcher, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller de l'avant. Ils sont là pour t'empêcher, bien-aimé dans le Seigneur, de vivre les accomplissements, alléluia, les promesses de Dieu dans ta vie. Ces esprits des territoires, ils sont là, bien-aimé, parce qu'ils ne veulent pas te voir avancer. Donc, ils sont là pour empêcher ton avancement. Mais ce soir, nous sommes là pour le renverser parce que nous devons avancer. Nous devons prospérer. Alléluia. Parce que Dieu souhaite que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme, bien-aimée. Dieu souhaite que nous puissions aller de l'avant. C'est le souhait de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Que tous les domaines de ta vie soient prospères. Alléluia. Que tu puisses t'épanouir, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Physiquement, spirituellement, moralement, intellectuellement, financièrement, que tu puisses, bien aimé, t'épanouir donc sous chaque domaine de ta vie. Mais ces esprits des territoires, ils sont là, bien aimé dans le Seigneur, pour t'empêcher, alléluia, de vivre, bien aimé, cette explosion dans ta vie, pour vivre, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, cet épanouissement dans ta vie. Oh mon Dieu, mon roi, quelle est, bien aimé dans le Seigneur, cette forteresse qui est là dans ta vie, bien aimé, qui t'empêche, alléluia, d'avancer, qui t'empêche de réussir, qui t'empêche, bien aimé, de vivre cette vie que Dieu a projetée pour toi, que Dieu a programmée pour toi. Ce soir, lève-toi au nom de Jésus, vaillant héros, vaillante héroïne, lève-toi guerrier, lève-toi guerrier. Nous sommes des montagnards, nous sommes des guerriers et des guerrières. Le peuple qui ne recule devant rien, le peuple bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, qui est prêt à avancer, qui est prêt, alléluia, à entrer dans sa destinée. Peu importe la tempête qui s'élève devant nous, peu importe la situation qui se met dans notre chemin, alléluia, nous sommes ce peuple déterminé que disent, alléluia, nous allons entrer, alléluia, dans notre gloire, nous allons entrer dans notre élévation, nous allons entrer dans notre bonheur, dans notre richesse, dans notre paix, dans notre joie, nous allons entrer là-bas, dans le nom de Jésus. Personne et rien va nous empêcher d'entrer dans notre bonheur, d'entrer dans notre joie. Oh mon Dieu, mon roi, bien-aimé dans le Seigneur, combien il devait déjà être marié. Mais à cause de ces esprits, des territoires, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont des forteresses, bien-aimés, regarde jusqu'à présent, tu es encore la célibataire. Combien il devait déjà être des grands hommes, alléluia, des grands entrepreneurs, entrepreneuses, mais ils sont encore là, tournés à rond. Pourquoi? Parce que les forteresses, ils sont là, ils ont pris le contrôle de ta vie, donc ils empêchent. Quand une porte s'ouvre, ils sont là pour fermer cette porte, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu ne puisses pas t'en sortir, alléluia. Quand il y a une fenêtre qui s'ouvre pour toi, ils sont là pour fermer cette fenêtre, bien-aimé, pour que tu ne puisses pas avancer, pour que tu ne puisses pas t'évoluer. Mais moi, je viens dire à quelqu'un ce soir, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, tu vas évoluer. Tu vas avancer,
Alléluia. Parce que, bien-aimé, il n'y a pas une forteresse qui résiste devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une forteresse, bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia, qui ne tombe pas devant le nom de Jésus. La Bible me dit, devant le nom de Jésus, tout, 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 bien-aimé, quand on dit tout, c'est tout. Donc, sauf rien, c'est tout, c'est tout. Lorsqu'on dit que, bien-aimé, tout chez nous fléchit. Donc, même Satan fléchit devant le nom de Jésus. Amen. Ah oui, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, la maladie fléchit devant le nom de Jésus. Les démons fléchissent devant le nom de Jésus. Le mari de nuit fléchit devant le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le mauvais sort, la sorcellerie fléchit devant le nom de Jésus. Le plan maléfique, bien-aimé, contre notre vie fléchit devant le nom de Jésus. C'est pourquoi la parole de Dieu est en train de dire, bien-aimé, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. Il sera guéri. Donc, il sera délivré. Sauvé veut dire délivré. Il sera libéré. Oh, mon Dieu, mon roi. Tape-moi 5 fois. Jésus, Jésus, Jésus. Nous invoquons Jésus de Nazareth. L'homme du milieu. Alléluia. Bien-aimé, parce qu'à la croix, ils étaient 3. Pas l'homme du gauche, pas l'homme de la droite, non, mais l'homme du milieu, l'homme qui a poussé le cri, qui a dit tout est accompli pour toi Suzanne, pour toi Nicolette, pour Amen. Toi Guillaume, pour toi Jackie, pour Amen. Toi Eva, pour Amen. Toi Micheline, Amen. Pour toi Adolphine. Donc Amen. Cet homme qui a crié sur la croix que tout est accompli pour ta famille, pour ma famille, c'est cet homme-là qui nous sommes venus encore évoquer ce soir, afin que toutes ces forteresses bien-aimées dans le Seigneur qui se sont établies dans notre vie, dans notre foyer, dans notre ministère, pour que nous n'avancions pas, au nom de Jésus, soient renversées. Tape-moi 5 fois, renverser, renverser, renverser. Donc le rôle de forteresse, bien-aimé dans les seigneurs, consiste, bien-aimé dans les seigneurs, à nous empêcher, donc de planter et de moissonner. Voilà le rôle de forteresse. Ils sont là pour t'empêcher de vivre le bonheur. Ils sont là pour t'empêcher de vivre la gloire, de vivre l'élévation. Ils sont là, les forteresses, pour nous empêcher, bien-aimés dans le Seigneur, de vivre la grandeur. Oh, dans le nom de Jésus, tu vivras la grandeur. C'est ce que nous avons vu dimanche. David est roi par l'Éternel, par les anciens d'Israël. Bien-aimé, David a déjà possession. Alléluia. Amen. Donc, de Juda, il a possession. Bien-aimé, dans les seigneurs de Hébron, il a possession déjà de tout. Mais ça lui manquait seulement de prendre possession de Jérusalem. Et voilà, il y avait, bien-aimé, les Jébusiens qui étaient là pour dire à David, tu n'entreras pas dans Jérusalem. Donc, c'est ça les forteresses, bien-aimés. Donc, les esprits qui sont là, qui occupent notre territoire pour te dire que non, tu ne vas pas te marier. Tu es belle, mais tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas te marier, malgré que tu es belle. Donc, elles sont là les forteresses pour te dire que tu es beau, mais tu ne vas pas te marier. Tu es intelligent, mais tu ne vas pas réussir la vie. Tu es intelligente, mais tu n'auras pas un bon travail. Les forteresses sont là pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, Amen. Que tu es ça, tu es fort, mais tu n'auras pas ça. Alléluia. Amen. Donc, ils sont là, bien-aimé dans le Seigneur, pour t'empêcher de vivre les projets. Elles sont là pour t'empêcher de vivre les projets de paix, de vivre les projets de bonheur.
que Dieu a préparé pour toi. Mais laisse-moi te dire ce soir, il y a 2000 ans sur la croix, il y a cet homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, qui a renversé les forteresses, qui a fait tomber les forteresses et il a pris ses pouvoirs. Il t'a donné cela. Amen. Il t'a remis cela. Amen. Il t'a dit qu'aujourd'hui, tu as le pouvoir de renverser les forteresses dans ta vie, de renverser les forteresses dans ta maison, de renverser les forteresses dans ton foyer. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils ne vivent pas le bonheur du mariage. Parce que les forteresses sont là pour ça. Donc, pour nous empêcher de vivre la joie, pour nous empêcher, bien-aimés, de vivre l'allégresse. Des gens qui sont mariés, mais ils vivent comme des célibataires. Mais elle te dit que je suis madame Intel, mais elle ne vit pas le bonheur de madame Intel. Comme moi, je suis madame Pense, je vis le bonheur du mariage. Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. Amen. Donc, quand nous entrons dans le mariage, c'est vrai, il y a des combats, il y a des luttes, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que non, tu ne vivras pas le bonheur. Tu ne vivras pas la joie du mariage. Donc, les combats vont venir. Mais ensemble, vous allez combattre, vous allez vaincre cela. Mais il y a des couples, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont ensemble. Mais l'homme dort à gauche, la femme dort à droite. Mais quand ils sont dehors, devant les gens, on les admire. Quel beau couple! Ah, moi aussi, j'aimerais avoir un tel couple. Je ne dis pas, loin de là, que tous les couples que nous voyons dehors, qui font des semblants, pas du tout, comme la mienne, mon couple ne fait pas des semblants. Ce que nous disons, c'est ce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous vivons. Alléluia. Je crois même quand la servante de Dieu, mon fait, il prêche, il le dit ici. Alléluia. Donc nous, on ne vit pas à la maison une autre face. Et quand on est dehors devant les gens, c'est notre face. Non, ce que nous sommes à la maison, c'est ce que nous sommes aussi dehors. Bien-aimés, et après, vous allez remarquer cela. Donc, même ce couple-là, qu'à la maison, ce n'est pas l'harmonie, bien-aimés. Mais quand ils sont dehors, voilà, ils font semblant, voilà, c'est le meilleur couple. Nous, on est comme ça. Mais vous allez commencer à voir. Vous allez commencer à remarquer la manière qu'il a parlé à son mari, la manière qu'il a répondu à son mari quand il a dit quelque chose. Hey! Donc tu comprends directement que tu comprends directement que elle, hein? Donc des fois vraiment à la maison, parce que la manière où elle a répondu à son mari dans ce que son mari l'a dit là, ça veut dire qu'il y a la maison, donc elle a un peu la bouche. Hein? Donc, David, quand il n'y a personne là-bas, donc, parce qu'il y a, quand, il y a des couples, quand, bien-aimés, ils sont là-bas à la maison entre eux. Ah, c'est la pagaille. Pagaille totale. Catastrophe totale. Les esprits, bien-aimés, dans le Seigneur. Les forteresses, c'est ça. L'esprit des territoires, les forteresses, l'esprit qui contrôle, bien-aimé, nos vies, donc qui guide ta vie, donc tu n'as pas droit d'avoir ça, tu n'as pas droit de faire ceci, donc et ils te contrôlent, et ils font, bien-aimé, dans les Seigneurs, c'est eux qui dirigent ton couple, c'est eux qui dirigent tes enfants, c'est eux qui dirigent ta vie. Oh mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, que les forteresses soient renversées, soient
soit renversé ce soir dans ta vie, soit renversé ce soir dans ton foyer, dans ton ministère, que le forteresse soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette forteresse qui a pris possession de ton mariage, cette forteresse qui a pris possession de ton travail, cette forteresse qui a pris possession au nom de Jésus de la vie de ton enfant, que cette forteresse soit renversée maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 1. Écoute ce que la parole de Dieu est en train de dire. À partir du verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches. Amen. Amen. Tape-moi d'abord 5 fois. Établi, établi, établi. Tu t'es établi dans ta famille. Amen. Tu t'es établi dans ce foyer-là. Amen. Pour que tu puisses renverser. Hein? Le forteresse au nom de Jésus, amen, de la famille de ton mari, pour que tu puisses renverser les forteresses de la famille de ta femme. Amen. C'est ces forteresses-là dans les familles de ta femme. Donc, bien-aimés, ils ont dit que non, dans cette famille, les femmes ne se marient pas. Alors, celle-là qui se marie, elle va divorcer. Donc, Dieu t'a établi dans ton couple pour que tu puisses t'élever et renverser, alléluia, cette forteresse-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que tu restes ensemble avec ta femme. Alléluia. Donc, Dieu t'a établi dans ce mariage-là, femme, pour que tu puisses renverser les forteresses de la famille de ton mari. Que dans cette famille, dans la famille de ton mari, on dit que non, dans cette famille, les hommes se marient. Mais après, ils commettent l'infidélité. Ils vont encore chercher une autre femme ailleurs. Non, tu es là, tu es établi par l'Éternel Dieu des armées pour que tu renverses cette forteresse ou bien ces forteresses au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tape-moi 5 fois. Établi, établi. Ah, dis, je suis établi. Dis, je suis établi. Dans ce foyer, je suis établi. Dans cette famille, je suis établi. Tu es appelé dans ta famille, parmi les autres bien-aimés dans le Seigneur, pour que tu puisses renverser les forteresses de votre famille. Alléluia. Amen. Pour que les forteresses de votre famille soient terrassées au nom de Jésus. Amen. Ces forteresses-là, bien-aimés dans le Seigneur, qu'au nom de Jésus, les ancêtres ont dit que non, voilà dans cette famille, les femmes, ils sont belles, mais ils ne vont pas se marier. Les hommes, ils sont beaux, mais ils ne vont pas trouver de travail. Les femmes sont intelligentes, mais ils ne vont pas percer. Au nom de Jésus, tu vas percer. Alléluia. Amen. Il y a des familles comme ça. Regarde, des femmes sont intelligentes, super intelligentes même. Mais tu vas voir que ces femmes-là, elles ont mal. Elles ont mal à trouver du travail. Elles ont du mal à percer dans leur vie. Mais tu vas voir qu'ils ont des diplômes, ils ont des masters. Mais elles n'avancent pas. Elles ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a cette forteresse dans leur famille qui a dit que dans cette famille, même si tu es intelligente comme moi, tu ne réussiras pas. Au nom de Jésus, je viens dire à quelqu'un ce soir, toi tu réussiras. Amen. Tu seras la première. Amen. À réussir dans ta famille. Amen. Tu seras la première à faire sortir la tête. Oh, alléluia. Amen. Dans l'eau, tu seras la première. Amen. Tu seras le premier au Amen. Nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Et tu feras sortir aussi les autres. Amen. Alléluia. Amen. Oui, pour sauver les autres, on doit d'abord nous sauver nous-mêmes. Amen. Parce que si toi-même tu ne te sauves pas encore, tu ne pourras pas sauver l'autre. Toi-même, tu es d'abord en train de te noyer. Tu dois d'abord te sauver. Quand tu vas te sauver, tu pourras sauver ton frère qui est en train de se noyer, ta sœur qui est en train de se noyer. Alléluia. Amen. Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi aujourd'hui
sur les nations. Les nations, c'est ta famille. Alléluia. Amen. Je t'ai établi sous le royaume. Ton foyer, c'est ton royaume. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses arracher. Non, Dieu ne te dit pas que je t'ai établi pour croiser le mal. Dieu ne t'a pas dit que non, je t'ai croisé pour que tu puisses regarder, pour que tu puisses admirer. Non, je t'ai dit, je t'ai établi pour que tu puisses arracher. Amen. T'as pour moi cinq fois arracher, arracher, arracher. Donc Dieu t'a dit, je t'ai planté. Établi veut dire planté. Alléluia. Amen. Donc dans cette famille, pour que tu puisses arracher. Alléluia. Amen. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, je viens arracher. Je viens arracher. Au nom de Jésus. Les célibats dans ma famille. Je viens arracher. Les querelles. Les disputes. Dans mon foyer. Je viens arracher cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a dit. Matthieu 13, 15. Le Seigneur a dit, nous allons lire cela. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 13, 15. Ou bien peut-être c'est... Gloire à Dieu. Amen, amen. Ma Bible a tellement travaillé. Matthieu 13. Je vais trouver ça dans le portable. Amen. Hein? Amen, amen. Matthieu 13, 15. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de dire, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Alléluia. Amen. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Alléluia. Oui, il y a des choses que Dieu n'a pas plantées dans notre vie. Doit être déracinée. C'est Amen. Matthieu 15, 13. Matthieu 15, 13. Alléluia. Amen. Matthieu 13, 15. Je renverse souvent parce qu'il y a tellement de versets. Comprenez. Alléluia. Matthieu 15, 13. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de dire, il répondit, alléluia, Amen. Toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Alléluia. Donc, il y a des choses, bien-aimées, que nous vivons dans notre vie. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a planté. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a semé. Non. Il ne faut pas dire seulement dans tout concours au bien de ce qu'est Dieu. Non, il y a des choses, bien-aimées, Dieu n'est pas d'accord. Pourquoi cela est venu dans ta vie? Il est en train de dire, écoutez, le Seigneur dit dans sa parole, Ésaïe 54, si je ne me trompe pas, verset à partir du verset 15, le Seigneur est en train de dire quoi? S'il forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Donc, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Bien-aimé, Dieu n'est pas d'accord. C'est ça. Dieu n'est pas derrière cela. Amen. Pas du tout, bien-aimé. Dieu n'a pas souhaité cela dans ta vie. Donc, c'est le diable, avec la coopération de ses acolytes, les sorciers du jour comme de la nuit, des gens méchants, bien-aimés dans le Seigneur, des gens malveillants, donc ils ne veulent pas voir les autres bien, donc ils amènent le malheur dans notre vie. Ils amènent, bien-aimés dans le Seigneur, la douleur dans notre vie. Ils amènent la souffrance dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Ils amènent, bien-aimés dans le Seigneur, donc la maladie. Ils amènent, bien-aimés dans le Seigneur, le malheur dans notre vie. Il y a des malheurs qui arrivent dans notre vie. Dieu n'est pas derrière cela. Dieu n'est pas d'accord avec cela. Alléluia. Dieu n'est pas d'accord. Oh, tape-moi, pas d'accord. Tape-moi, pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord avec ces forteresses. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Qu'ils ont pris possession de ta vie, qu'ils ont pris possession de ton mariage. Amen. Dieu veut te voir dans la joie. Amen. Dieu veut te voir, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. De te jouir de ton mari, de te jouir de ta femme, des enfants qu'il t'a donnés. Non! Tu as dit, les enfants sont
héritage de l'Éternel, mais une récompense du fruit de nos entrailles. Donc les enfants sont une récompense pour nous. Amen. Donc quand quelqu'un travaille, il a droit au salaire, n'est-ce pas? Amen. C'est ça les enfants. 9 mois, tu as porté ton enfant. Tu l'as mis au monde. Regarde seulement. Hein? Quand on est dans les 9 mois là, ça devient compliqué pour dormir. Ça devient compliqué. Moi, je me rappelle quand j'étais dans 8 mois et demi. Oh, pour me tourner, c'était difficile. Je me rappelle vraiment au milieu de la nuit. J'ai réveillé mon mari, l'homme de Dieu. Je lui ai dit, papa, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ça va pas? J'ai dit, non. Je vais me tourner de l'autre côté. Donc, je l'ai réveillé tout simplement pour m'aider de me tourner de l'autre côté. Parce que tellement que j'ai dormi déjà d'un côté, c'est là, il y a la côte qui commence déjà à faire mal. Et je n'arrive pas à me tourner tellement l'enfant, la position où il s'est mis. Donc, bien aimé, et demain, tu mets cet enfant au monde. Et maintenant, les forteresses sont là pour t'empêcher de tes jours de cet enfant. Donc, les forteresses sont là pour que cet enfant, donc, il te manque de respect, pour que cet enfant ne te considère pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Combien de mamans pleurent aujourd'hui? Il y a des papas qui sont en train de pleurer. Ils pleurent comme des enfants. Nous, on reçoit chaque jeudi des appels ici. Mon Dieu, des fois, je dis, Seigneur, Satan est méchant. Je ne sais pas comment il y a des gens qui aiment Satan. Je ne comprends pas. Comment il y a des gens qui aiment Satan? Ils aiment travailler pour Satan. Comment? C'est un homme méchant, c'est vrai. Hein? Que Satan, il est bien aussi avec des gens. Il est bien avec certaines personnes. Voilà, des gens qui l'aiment. Hein? Des gens qui aiment travailler pour lui. Mais les gens qui n'aiment pas Satan, Satan est trop méchant avec eux. Satan ne les aime pas du tout. Comment une mère a mis son enfant au monde? Cet enfant demain, il regarde sa mère avec mépris. Il ne respecte pas son père. Un enfant manque de respect à son père. Quelle malédiction, mon Dieu! Et tout ça, le diable, c'est ça! Donc, pour détruire la vie de cet enfant, pour détruire ta vie, papa, pour détruire ta vie, maman, au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes en train de renverser ces esprits de territoire. Au nom de Jésus. Tape-moi 5 fois arraché. Tu as tapé déjà 5 fois arraché. Jésus a dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Donc, déracinée veut dire arraché. Au nom de Jésus, ce soir, ce matin, lève-toi. Dis, Seigneur, je viens arracher. Je viens déraciner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette forteresse appelée, Seigneur, rébellion, qui a pris, Seigneur, contrôle de la vie de mon enfant, pour que mon enfant ne m'écoute pas, pour que mon enfant ne m'obéisse pas. Au nom de Jésus, je viens arracher cela. Cette forteresse appelée querelle, qui est venue s'installer dans mon foyer, pour que je ne puisse pas profiter de mon mari. Profitez de ma femme. Parce que si vous passez seulement le temps à se disputer, à quereller, quel est le moment? Quel est le temps que tu vas apprécier la femme, hein, que Dieu t'a donné? Quel est le moment que tu vas apprécier l'homme que Dieu t'a donné? Il faut savoir déjà que le diable n'aime pas le mariage. Parce que le mariage, bien aimé, c'est la maquette de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Le mariage, c'est Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi il n'aime pas le mariage, parce qu'il sait l'union de 2 personnes. Il sait, bien-aimé, alléluia, quand 2 personnes se mettent ensemble, même quand ils ne sont pas mariés, on est seulement des frères, aux sœurs, on se met ensemble, bien-aimé. Vous êtes seulement des, mais vous pouvez terrasser 1 000 personnes et 10 000 personnes qui s'élèvent contre vous. Alléluia! Parce que la Bible dit, Christ à nous, l'espérance et la gloire. La Bible dit, bien-aimé, avec Jésus, nous ferons des exploits. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth,
Le Seigneur dit à Jérémie, je t'établis, Jérémie, pour que tu puisses arracher, alléluia, amen, pour que tu puisses abattre, tape-moi cinq fois, abattre, abattre, oh, dans le nom de Jésus, nous sommes en train d'abattre, alléluia, ces forteresses, dans le nom de Jésus-Christ, qui ont pris possession de nos maisons, qui ont pris possession de nos foyers, qui ont pris possession de nos travails, possession de nos ministères, pour que nous ne puissions pas vivre le bonheur, pour que nous ne puissions pas vivre l'épanouissement. Au nom de Jésus, nous sommes en train d'abattre cela. In the name of Jesus. Alléluia. Dieu l'a dit, tu dois d'abord commencer à battre. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut pas. On ne peut pas planter. On ne peut pas moissonner. Bien-aimé, si on n'a pas encore arraché, si tu n'as pas encore bâti, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas planter. Tu ne pourras pas planter. Tu dois d'abord commencer à battre. Tu dois d'abord commencer à arracher. Bien-aimé dans le Seigneur, les obstacles, les blocages là. Bien-aimé dans le Seigneur, la sorcellerie là. Au nom de Jésus, les plans là maléfiques, tu dois d'abord les abattre. Parce que si tu les laisses là, bien-aimé, tu vas planter. Mais je te dis la vérité, tu ne moissonneras pas. Tu vas moissonner, mais les miettes. C'est ce que beaucoup disent. J'y travaille. Pasteur, j'y travaille. Mais j'ai vu combien de personnes qui ne travaillent pas. Le fait de moi arrive comme ça, je n'ai rien dans ma poche. Je n'ai rien. À la banque, je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais il travaille. De lundi jusqu'à samedi, il travaille. Le seul jour peut-être qu'il se repose, c'est le dimanche. Il y a même ceux qui travaillent 7 jours sur 7. Mais le fait de moi arrive comme ça, il n'a même pas 10 euros dans sa poche. Il doit demander, Seigneur, est-ce que tu peux m'emprunter 20 euros? Mais quelqu'un qui travaille, du premier jusqu'au 31, il travaille. Mais le fait de moi arrive comme ça, il prête ici, il prête là-bas. Donc il s'endette de gauche et à droite. Au nom de Jésus-Christ, que cette forteresse soit renversée dans ta vie dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a une forteresse qui est là et assise. Elle est assise dans ton travail. Donc elle est là. Elle dit travail, 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 travail. Mais tu ne vas pas vivre la joie de ce travail. C'est pourquoi tu vois que le feu de moi arrive. Tu ne comprends pas. Il y a la fatigue de quoi? Il y a la fatigue, je ne sais pas de quoi. Il y a une fatigue qui sort comme ça. Hein? Tu ne sais même pas. Donc, cette fatigue vient d'où? Tu ne connais même pas la tête ni la queue. Donc, tu vois, c'est pas la fatigue est là que non, fatigue, je ne sais pas de quoi là. Oh, fatigue, je ne sais pas de quoi. Donc, l'argent finit au nom de Jésus. C'est l'esprit bien-aimé dans le Seigneur. Le territoire, forteresse. Renversement de forteresse au nom de Jésus. Le Seigneur l'a dit, Jérémie, tu dois abattre. Au nom de Jésus, a dit, je viens abattre au nom de Jésus cette forteresse. Si c'est la sorcellerie de la famille, dis, je la bats dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous sommes en train d'abattre cette forteresse depuis la racine. Depuis la racine, on est en train d'abattre cela. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Parce qu'on ne veut plus, alléluia, retourner dans cette situation-là. On ne veut plus tourner en rond tout le temps. Tu vois l'esprit des forteresses. Pardon, les forteresses. Les forteresses sont là pour ça. Ils te font tourner en rond. Ils te font tourner en rond. Ils te font tourner en rond. Tu avances un moment comme ça, après ils te récupèrent. Ils te font encore retourner derrière. Hein? Donc, tu avances un peu comme ça, il te retire. Donc, c'est comme quelqu'un qui est lié. Hein? Donc, tu vois la forteresse, c'est comme une chaîne dans ton pied là. Donc, tu veux faire un pas comme ça, donc il te tire derrière.
Hein? Il te tire derrière, te dit non, tu n'as pas le droit d'avancer. Toi, tu n'as pas le droit d'avancer. Tu dois reculer. C'est ça les forteresses. Au nom de Jésus de Nazareth, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, tu as droit d'avancer. Tu as droit de réussir. Tu as droit d'aller de l'avant. Tu as droit au nom de Jésus. Personne ne doit te dire que non, tu n'as pas droit. Personne ne doit pas te dire que non. Toi, tu es né comme ça. Tu resteras comme ça. C'est faux. C'est du mensonge. Tu es une étoile. Tu es né pour briller. Alléluia. Tes enfants sont nés pour briller. Ne crois pas quelqu'un qui te dit que non. Glorifie seulement le Seigneur. Donc l'enfant, donc il vivra seulement comme ça. Non! Non, non, refuse cela. Au nom de Jésus, regarde la femme cananéenne. Elle a refusé que sa fille puisse rester dans cet état-là. Elle est allée derrière Jésus. Oh, même la Bible me dit même que Jésus a été un peu dur avec cette femme. Tout simplement pour bien aimer dans le Seigneur, prouver la foi de cette femme. Pour voir seulement jusqu'où cette femme était bien aimée, déterminée d'aller avec sa foi. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dira que la fille de cette femme a été délivrée. Amen. La fille de cette femme a été guérie. Amen. Alléluia. Amen. Ah, bien aimée dans le Seigneur. Amen. Toi aussi, tu as le droit d'être bien. Amen. Tu as le droit de vivre la paix. Ce n'est pas que la paix, c'est seulement pour les autres. C'est seulement pour une quantité de personnes, non. Pour une catégorie de personnes, non. Bien aimé, étant fils de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu, bien aimé, tu as droit à la paix. Parce qu'il s'appelle le prince de la paix. Amen. Jésus s'appelle le prince de la paix. Alléluia. En plus, il a dit dans sa parole, alléluia, je vous donne la paix. Pas comme le monde la donne. Hein? Non, le monde aussi donne la paix. Mais ce n'est pas la même paix que Jésus nous donne. Il y a la différence avec la paix de Jésus et la paix du monde. Alléluia. La paix de Jésus, c'est la paix éternelle. Mais la paix du monde, c'est une paix bien-aimée éphémère. C'est une paix bien-aimée qui prendra fin. Mais la paix de Jésus, c'est jusqu'à l'éternité. Alléluia. La paix de Jésus, même si aujourd'hui tu manques, oh, tu y es rassuré. Alléluia. Amen. Tu y as l'assurance. Partagez la vidéo, la famille. Amen. S'il vous plaît, likez la vidéo. Nous, quand on entre là comme ça, on oublie même de vous rappeler, de liker et de partager la vidéo. Partagez, likez pour édifier quelqu'un. Amen. Donc, quand nous avons la paix de Jésus, même si aujourd'hui, tu es malade, bien-aimé, tu as l'assurance que demain, je serai guéri. Ah, demain, je serai libéré. Ah, demain, au nom de Jésus, je serai acquitté de cette situation. C'est ce que Job, bien-aimé dans le Seigneur, est en train de nous relater, n'est-ce pas, dans sa situation. La Bible dit, un pied déjà dans le tombeau. Mais écoute, la déclaration de Job, mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Alléluia! Donc Job, je ne mourrai pas. Je vivrai. Mes yeux le verront. Il me sera encore favorable. Ah, donc je témoignerai encore les merveilles de ces dieux. Oh mon Dieu, mon roi. Tandis que les gens, ils disaient déjà que Job est en train de mourir. C'est fini pour Job. Mais écoute, Job est en train de déclarer. Il est en train de dire, ce n'est pas fini pour moi. Parce que c'est lui qui a les derniers mots. Il n'a pas encore dit les derniers mots. Alors il a dit que ma vie continue. Alors puisqu'il a dit ma vie continue, même si vous dites que non, c'est la fin pour moi. Mais moi, je vous dis, c'est le commencement. Amen, amen. C'est ça, bien-aimé, la paix de Jésus dans notre vie. Donc, la paix de Jésus te rassure. Même lorsque les choses ne vont pas, la paix de Jésus te dit, ah, ça va aller, ça va marcher. Sois calme, sois tranquille, sois rassuré. Alléluia. Amen. Dieu dit à Jérémie,
tu dois ruiner. Alléluia. Tape-moi 5 fois. Ruiner, ruiner, ruiner. Tu dois ruiner. Alléluia. Oui, tu dois ruiner, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Cette forteresse appelée divorce qui est là dans ton mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses divorcer demain. Regardez des gens, après 20 ans ensemble, où ils se sont divorcés. Ah! Après 20 ans ensemble, vous avez quand même passé du temps. Vous avez quand même pris du temps de se connaître. Les autres. Mais comment expliquer? Parce que il y a une forteresse qui était là, qui contrôlait. Et demain, vous ne comprenez pas, l'homme se réveille comme ça, il regarde la femme, il commence à voir, il commence à voir sa femme comme un démon. La femme qui se réveille comme ça, l'homme qui était l'homme le plus beau du monde, l'homme le plus charmant, l'homme le plus galant de l'univers, Miss l'univers, je ne sais pas si les hommes aussi, Mister Univers, Miss Univers, tu ne comprends pas. L'homme dit que non, je ne veux plus de toi. Hein? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Seulement hier là, la nuit seulement là, avant de dormir, tu as dit, je suis la femme la plus belle de l'univers. Qu'est-ce qui s'est passé? La forteresse. La forteresse. Appelée divorce. Alléluia. Donc voilà, elle est entrée en œuvre. L'homme, il dit, je ne veux plus. La femme s'est réveillée comme ça. Il ne veut plus. Il y a des femmes, on les a demandées. Mais pourquoi tu ne veux plus de cet homme? Oh, je ne le veux plus. Je ne veux plus. Je ne l'aime plus. Nous, on a vu des cas dans les ministères là. On a vu des cas. On a vu des situations. Toi-même, tu dis, hé, hey, Seigneur, ce n'est pas facile. Hein? Servir le Seigneur, ce n'est pas facile, bien-aimé. Être des serviteurs, des vrais serviteurs de Dieu. Je ne dis pas des faux serviteurs de Dieu qui sont venus donc dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur pour leur ventre. Je dis des vrais serviteurs de Dieu. Qu'on est là, on a les soucis des âmes. Et ça m'étonne quand je vois il y a certaines personnes qui se permettent. Il y a certaines personnes qui ont l'audace de venir aussi dans les réseaux sociaux. Et inciter aussi des serviteurs de Dieu. Oh, il y a des serviteurs de Dieu. Plein de versets dans leur bouche. Mais ils n'ont pas l'amour pour les âmes. Et si on te donnait seulement, si on te donnait seulement, la place de ce pasteur-là, un jour seulement, tu vas demander la démission. Pas même une... Je ne sais même pas si tu vas faire une journée entière. Tu vas demander la démission. Tu vas dire non, je démissionne. Je démissionne. Je démissionne. Parce qu'il y a des gens tellement qui ne sont pas dans cet endroit-là. Ils ne sont pas cette responsabilité sous leur dos, sous leurs épaules. Il se permet à dire n'importe quoi, n'importe comment, insulter. C'est vrai, il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas bien, qui sont des aventuriers. Mais il ne faut pas mélanger. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont vraiment la compassion des âmes. Comme nous là, donc bien aimé, il y a des membres, ils t'appellent, ils laissent des messages, ils t'appellent, et j'ai besoin de toi, rappelle-moi. Tu prends vraiment le téléphone et tu rappelles. Tu rappelles vraiment. Et déjà comme ça, on n'a pas de soucis des âmes.
Tu rappelles. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ça va? J'ai entendu. J'ai vu le message. Comment ça va? Il te prend aussi une heure de temps au téléphone pendant que tu as aussi tes enfants, tu as ton mari, tu as aussi tes occupations, mais tu es là, tu fais. Respectez les vrais hommes de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Le Seigneur dit à Jérémie, pour ruiner, tu dois ruiner. Tape-moi 5 fois, ruiner, ruiner, ruiner. Dans le nom de Jésus a ruiné. La malédiction de ma famille, je viens ruiner au nom de Jésus. Alléluia. La sorcellerie de ma famille, la sorcellerie de la famille de mon père, la sorcellerie de la famille de ma mère, je viens ruiner cela au nom puissant et glorieux de Jésus. La sorcellerie de l'entourage, nous la ruinons au nom de Jésus. Parce qu'ils sont là pour nous bloquer. La sorcellerie de l'entourage. Tu vois vraiment que ta vie, combien de gens disent qu'ils m'aiment. Moi, j'ai touché l'argent. J'ai touché l'argent. À l'âge de 20 ans déjà, j'ai commencé à toucher l'argent. Mais tu ne comprends pas, l'argent t'a fui. L'argent, quand tu vois là, il fuit. Il fuit vraiment. Il prend les pieds, commence à courir. Il prend le métro. Il prend le TGV. Donc, il te fuit. Pourquoi? Parce que tu t'es mis ensemble. Tu as fait entrer des gens dans ta vie qui sont des forteresses. Qui sont des forteresses. Qui sont là. Bien-aimés, ne te combattes pas comme ça. C'est ce que nous, on a vécu. Derrière. Couteau. Tu ne comprends pas. Comment les choses n'avancent pas? Comment les choses n'avancent pas? Comment les choses n'avancent pas? Avec tout ce que je fais, avec toute l'énergie que je suis en train de dégager, pourquoi ça n'avance pas? Hey, regarde bien. Regarde bien. Tout autour. Qui est cette forteresse? Il faut la ruiner. Il faut la ruiner dans le nom de Jésus. Parce que le temps de planter est arrivé. Le temps de moissonner est arrivé dans le nom de Jésus. Tu dois moissonner. Tu dois moissonner. Tes enfants doivent planter. Ils doivent moissonner. Alléluia. Mais avec, bien-aimé, les forteresses, on ne pourra pas planter et moissonner. On pourra même planter, mais moissonner sera difficile. La Bible dit quoi? Les enfants d'Israël plantaient. Le mendiant venait faire. Il faisait quoi? Le mendianite, pardon. Il venait, il faisait quoi? Il moissonnait à leur place. Vous voyez les forteresses? Donc vous plantez, c'est eux qui moissonnent à votre place. Donc toi tu plantes, tu dégages ton énergie, tu travailles du 1er au 31. C'est ça. Mais c'est maintenant le fartir. Donc voilà, donc l'argent va sous le fartir. C'est l'État maintenant qui bénéficie dans ton argent chaque fin de mois. Tu vois ça? Donc c'est la famille qui bénéficie, c'est là. Quand le fin de mois c'est marre, arrive là, tu ne comprends pas. Allô, hey, grand frère. Maman ici, elle est gravement malade. Si tu n'envoies pas l'argent, maman, elle va mourir. On va perdre maman. Donc, ils sont... Maman, je ne sais pas, je risque de parler, je ne sais pas quelle langue ici. Donc, il y a vraiment des gens. Elle est en train de mentir. Ou bien, il est en train de mentir. Maman est là. Elle est en bonne santé. Maman aussi entre dans les chiens. Maman, on doit seulement mentir comme ça. Hein? Parce que sinon, les grands frères ne vont pas voir l'argent. Tu vois ça? Et maman qui était en bonne santé, malade, vient. Vous voyez maintenant? Après maladie, là, vient là. Maintenant, quand... maintenant, un grand frère envoie l'argent. À ce moment-là, maintenant, ça fait quoi? Les fartirs ont récupéré déjà dans tout l'argent là.
Et il dit que non, je n'ai pas l'argent, je dois prêter. Donc, le temps que le grand frère doit prêter l'argent, mais la grande sœur, maman, qui a tué maman? Vérité. Qui a tué maman? Vérité. C'est fou, c'est toi qui as tué maman. C'est toi, sorcier. C'est toi, le sorcier. Donc, il y a des gens qui appellent, surtout nous, les Africains, là, vraiment. On t'appelle depuis le bled, depuis le pays là-bas. On t'appelle. Hé, hey, allô, allô, ici ça ne va pas. Vraiment, vraiment, regarde, la situation qu'on a ici. Il monte vraiment. Donc, tu dois envoyer. Si tu n'envoies pas, donc c'est la fin. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Tu envoies comme ça. Maman est bien. Papa est bien. Oh, papa, aïe, gravement. Donc, il est à la clinique là-bas. Donc, les médecins, ils ont dit que non. Donc, si on n'a pas l'argent, ils ne pourront pas soigner papa. Il y a fait grand cerf, fait vite. Envoie. Chaque année, c'est la même chose. Chaque mois, c'est la même chose. Si ce n'est pas maman qui est malade, c'est papa. Si c'est papa, ce n'est pas papa qui est malade, c'est une sœur là-bas. Ce n'est pas une sœur là-bas, c'est un frère là-bas. Si ce n'est pas quelqu'un, oh non, la maison, si on ne paye pas, maman, ils sont en retard, voilà, pour payer le loyer de 3 mois. Donc, voilà, le propriétaire est venu. Il a dit, dans une semaine, il nous a donné seulement une semaine. Donc ici, une semaine, là, on ne paye pas. Donc, on va mettre papa et maman dans la rue. Ils sont en train de mentir. Tout ça seulement pour qu'on te fasse sortir l'argent de ta poche. Au nom de Jésus, nous sommes en train de ruiner cette forteresse dans notre vie, dans le nom de Jésus, qui est là pour nous rendre pauvres, qui est là pour nous rendre malheureux. C'est pourquoi tu vas voir, il y a des gens qui sont en Europe ici 20 ans, mais il n'a rien en Afrique. 30 ans, il n'a même pas. Une bicoque. Même pas une bicoque en Afrique. Il a rien. Mais il a fait 30 ans en Europe. Il y a déjà seulement 5 ans en Europe. Il a construit. En Afrique là-bas. Regarde-moi les forteresses. L'esprit des territoires. Ils sont là. Ils te contrôlent. Ils te gèrent. Ils ne te combattent pas. Non, non. Ils te gèrent. Ils sont là pour te freiner. Toi, tu n'avanceras pas. Quand ils voient que tu commences à construire, ils sont là maintenant. Ils envoient la maladie. Tu ne comprends pas, tu étais en bonne santé. D'un coup seulement, tu commences à sentir mal ici, mal là-bas, mal à gauche, mal à droite, mal. Tu vas à l'hôpital comme ça, oh, tu as maladie, un tel, au nom de Jésus. Cette maladie est venue de où? Retour à l'esprit du cœur. Le Seigneur a dit, vous bâtirez des maisons et vous y habiterez. Le Seigneur n'a pas dit, vous allez bâtir des maisons, après une autre personne va venir habiter à votre place. Pas du tout. Le Seigneur a dit, tu bâtiras la maison. Et tu habiteras cette maison. Amen. Partagez, likez la vidéo. Amen. Alléluia. Amen. Maman Mathieu, le Seigneur n'a pas dit que non. Tu bâtiras. Tu travailleras pour les autres. Ou bien pour quelqu'un. Donc toi, tu vas travailler. C'est quelqu'un d'autre qui va venir manger à ta place. Non. Le Seigneur a dit, tu vas travailler. Amen. Et tu vas manger le fruit de ton travail. Amen. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Mais il y a des gens qui travaillent, c'est les autres qui mangent. Au nom de Jésus, c'est contradictoire. Il y a des gens qui construisent, c'est les autres qui habitent. Au nom de Jésus de Nazareth, on est en train de renverser, on est en train de ruiner cette forteresse-là qui est là pour nous rendre pauvres. Au nom de Jésus-Christ, qui est là pour nous rendre malheureux dans le nom de Jésus. Ruine, commence à ruiner, cette forteresse dans ta vie. Au nom de Jésus, dis Seigneur, je viens ruiner par l'autorité que tu m'as donnée, par le pouvoir que tu m'as donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Amen. Donc ils sont là, bien-aimés, pour nous bloquer. Pour t'empêcher. C'est ce qu'on a vu dimanche. Je le disais. Les Égyptiens, ils ont dit à David,
tu n'entreras pas ici. Donc, tu as déjà Jida, tu as, voilà, et bon. Mais ici, là, tu n'entreras pas. Oh, David a dit non, j'entrerai. Alléluia. Amen. J'entrerai. Donc, ils sont là pour t'empêcher d'entrer dans les bonheurs. Ils sont là pour t'empêcher d'entrer dans les mariages. Le Seigneur a dit, et que tu détruises. T'as pour moi 5 fois, détruire, 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 détruire. Lève-toi au nom de Jésus, commence à détruire. Dis, Seigneur, je viens détruire au nom de Jésus toute forteresse qui a pris, Seigneur, possession de ma vie pour me repousser loin de ma bénédiction, loin de mon élévation, loin, Seigneur, de ma gloire, loin de mon mariage, loin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh, Seigneur de gloire, de mon bonheur, papa, dans le nom de Jésus, je suis en train de détruire, je suis en train de détruire, Seigneur, toutes ces forteresses, au nom de Jésus, Yahweh, ce soir dans ma vie, Yahweh, Seigneur, toutes ces forteresses qui ont pris, papa, Yahweh, possession de notre ministère pour nous empêcher, Yahweh, de vivre, Yahweh, Seigneur, l'épanouissement, Yahweh, Seigneur, mon Dieu, de ces ministères au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Nous, les forteresses, bien-aimés, tape-moi 5 fois, détruire, détruire, détruire. Donc, ils sont là, bien-aimés dans le Seigneur, pour te dire, tu es entré à Cana, mais à Jérusalem, tu n'entreras pas. Donc, ils sont là, bien-aimés, ils te laissent travailler, mais ils te disent, tu ne vivras pas la joie du travail. Tu ne jouiras pas du fruit de ton travail. Ils te laissent te marier, mais ça, ils t'empêchent de vivre la joie du mariage. Ils laissent les enfants étudier, mais ils empêchent les enfants, bien-aimés dans le Seigneur, de vivre la joie des études. Ils empêchent les enfants d'avoir le travail. Ils empêchent les enfants d'avoir leur entreprise. Ils empêchent les enfants de faire le business. Voilà, bien-aimés, les forteresses. Ils sont là pour ça, bien-aimés. Alléluia. C'est ce qu'ils ont dit à David. Tu n'entreras point ici, bien-aimé dans le Seigneur. Mais David a dit quoi? J'entrerai. Alléluia. Il est entré dans Jérusalem. Je viens dire à quelqu'un ce soir, regarde ces forteresses en face. Dis-le, j'entrerai dans mon bonheur. J'entrerai dans ma bénédiction. J'entrerai dans mon élévation. J'entrerai au nom de Jésus dans mon bonheur. J'entrerai dans ma grandeur. J'entrerai au nom de Jésus de Nazareth. Déclare, j'entrerai dans le mariage. Alléluia. Amen. J'entrerai au nom de Jésus dans la guérison. J'entrerai au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc les forteresses sont là pour te dire, non, tu n'as pas droit de ça. Tu as seulement droit de ça. Non. Donc ils sont là pour nous limiter. Donc toi, tu dois seulement manger ça. Ça là, tu ne dois pas manger. Non, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dois manger ça aussi. Mm. Alléluia. Le Seigneur a dit, pour que tu puisses bâtir et planter. Une fois que nous avons arraché, nous avons battu, nous avons ruiné, nous avons détruit, maintenant, on peut planter et moissonner. Alléluia! Tape-moi 5 fois, planter, 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 planter. Ah, tu vas planter et tu vas moissonner. J'ai dit à quelqu'un au nom de Jésus ce soir, tu vas planter et tu vas moissonner. Ce n'est pas que tu planteras et une autre personne va venir moissonner à ta place. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai dit à quelqu'un ce soir, bien-aimé, tu vas planter. Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, l'éducation dans la vie de tes enfants et tu vas moissonner. Au nom de Jésus, bien-aimé, le diplôme. Tu vas moissonner le doctorat. Amen. Tu vas moissonner le master. Amen. Ah, bien-aimé, tu vas accompagner ton enfant à l'école. Tu vas planter, tu vas payer les études de tes enfants. Maman, papa, tu vas moissonner le master. Amen. Tu vas moissonner le doctorat. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas moissonner des entreprises. Amen. Dans le nom de Jésus. Mm. Alléluia. Le Seigneur a dit, maintenant tu vas bâtir.
Alléluia. Et tu vas planter. Oh mon Dieu, mon roi. J'ai dit à quelqu'un, tu vas bâtir. Tu vas bâtir des maisons. Et tu vas habiter. Et tu habiteras ces maisons au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, bien-aimé, tu bâtis ton foyer. Tu vas vivre la joie de ce foyer au nom de Jésus. J'ai dit à une mère ce soir, tu bâtis l'éducation de tes enfants. Tu bâtis l'avenir de tes enfants. Amen. Tu vas au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Amen. Tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Amen. Au nom de Jésus en retour. Amen. La récompense. C'est le diplôme. Les enfants vont travailler. Tes enfants, ils auront leur entreprise. Amen. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Tu vas travailler et tu vas moissonner le fruit de ton travail. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, de Nazareth. Alléluia. Parce que ces esprits bien-aimés dans le Seigneur, ils sont délogés. L'esprit bien-aimé dans le Seigneur, les territoires sont délogés. Les forteresses sont délogées. Ce soir dans ta vie, dans ta maison, au nom de Jésus, de Nazareth. Je dis à quelqu'un ce soir, ce que tu vas faire, va réussir maintenant au nom de Jésus. Là où tu as échoué hier, je te dis, tu vas réussir aujourd'hui. Tu vas réussir demain. Tu vas réussir après-demain dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Il faut déloger les forteresses. Amen. La Bible dit, c'est l'archange qui est devenu Satan au ciel. Qui voulait bien aimer empêcher l'évolution du ciel. La Bible dit quoi? On l'a précipité sur la terre. On l'a délogé du ciel. On l'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de place ici. Déclare ce soir à cette forteresse-là. À partir d'aujourd'hui, tu n'as pas de place ici dans ma maison. À partir d'aujourd'hui, toi, forteresse querelle, toi, forteresse au nom de Jésus dispute, toi, forteresse rébellion dans la vie de mon enfant, tu n'as plus de place. Au nom de Jésus, je viens te déloger comme l'ange Michael a délogé ton père au ciel et là-bas au nom de Jésus. Amen. Donc moi aussi, je te déloge de ma maison dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous délogeons la maladie. Nous délogeons au nom de Jésus les malédictions des familles. Nous délogeons les échecs. Nous délogeons au nom de Jésus ces pratiques sorcelleriques qui ont été faites contre nous pour qu'on ne puisse pas évoluer, pour qu'on ne puisse pas avancer. Tu fais un pas, tu retournes toujours en arrière. Là où les autres font 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 7, 6 pas, 7, 8, 9, 10. Non, toi tu fais 1, tu recules. Au nom de Jésus-Christ. Tu fais 1, tu recules. Au nom de Jésus. Nous brisons. Nous brisons au nom de Jésus. C'est forteresse ce soir. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Et rien ne va te bloquer. Rien ne va plus t'empêcher. Rien ne va plus t'arrêter. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth ce soir. Car tu prends possession de ton mariage. Prends possession de ton travail. Prends possession de ton ministère. Prends possession au nom de Jésus-Christ et de ton foyer. Prends possession de la vie de tes enfants. Prends possession au nom de Jésus de Nazareth. Dis, je prends possession, Seigneur. Je prends possession de mon travail. Je prends possession de mon mariage. Au nom de Jésus, je prends possession de mon travail. Je prends possession, Yahweh Seigneur, des études de mes enfants. Je prends possession dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Pendant tous ces temps, c'est les malédictions de ma famille. C'est les malédictions de la famille. Yahweh Seigneur, Papa, et la famille de leur père. Maintenant, je déclare, au nom de Jésus, Seigneur, nous prenons possession sous les malédictions de nos familles, sous les papas, la sorcellerie, Seigneur familial, nous prenons possession, au nom de Jésus, sous la sorcellerie de l'entourage, nous prenons possession, au nom de Jésus de Nazareth. Pendant tout ce temps, c'est la sorcellerie de la famille, c'est la sorcellerie de l'entourage.
qui a dirigé ta vie, qui a dirigé ta maison, qui a dirigé ton travail, qui a dirigé ton ministère. Au nom de Jésus-Christ, maintenant nous disons, nous prenons possession. Nous prenons possession de notre mariage, de notre travail. Nous prenons possession au nom de Jésus, de nos projets, de nos affaires. Nous prenons possession dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois. Possession, possession, possession. Dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu as la possession de ton mariage. Amen. Tu as la possession de ton travail. Amen. Tu as la possession de ton ministère. Amen. Tu as la possession de la vie de tes enfants. Amen. Tu as la possession de tes finances. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité d'entre les morts. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu prends possession, possession au nom de Jésus, car nous avons renversé Amen. Toutes les forteresses Amen. Au nom de Jésus qui ont été là, bien-aimés, pour nous empêcher d'avancer, de reçure, bien-aimés, dans le Seigneur, de nous épanouir sous tous les domaines de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez à partager la vidéo, continuez à liker la vidéo, vous qui aimez ce ministère, continuez à soutenir ce ministère, Amen. Car ce ministère a besoin de vous. Comme nous aimons dire, vous êtes le pied, vous êtes le main de ce ministère bien-aimé. Amen. Vous savez combien ce ministère accompagne, combien ce ministère bien-aimé assiste. Alors ce ministère a besoin de votre soutien. Amen. Vous avez le PayPal, vous avez le compte bancaire, vous avez bien-aimé le Western Union, MoneyGram, RIA, vous avez le super chat en direct. Vous pouvez bien-aimé envoyer votre don comme vous voulez. Vous avez aussi le numéro du secrétariat pour bien aimer dans le Seigneur demander plus des informations. Que le Seigneur vous bénisse richement, abondamment. Continuez à prier, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia, pour que le Seigneur puisse ouvrir les églises des cieux pour nous, bien aimés, pour que nous puissions avoir notre salle. Et n'oubliez pas ces puissants programmes, les jeûnes et prières des 7 jours, bien aimé dans le Seigneur, pour couper le cordon ombilical. L'affiche est là, qui est en train de passer sous vos écrans. Alors, bien-aimés, disposez-vous, car le Seigneur encore fera pour nous de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement, puissamment, au nom de Jésus. Passez une bonne Amen. Nuit dans la présence de notre Dieu. Amen. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche pour notre culte, bien-aimés, de célébration Amen. De victoire, avec encore un message puissant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous disons avec Jésus. C'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours, toujours possible. Soyez bénis. Bye bye.